Aujourd'hui, on est sur Stumble Guys et on va faire tourner plein de roues. Mais juste avant qu'on commence, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Seulement si tu veux débloquer le skin Bolt sur Stumble Guys. Alors à ta place, je prendrai pas le risque. Ok les amis, regardez, on a la roue de la chance à débloquer aujourd'hui. Et ne vous inquiétez pas qu'on va la faire tourner. On va aussi faire tourner deux roues ninja. Et puis on va faire tourner autre chose dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais juste avant les amis, on va bien sûr faire tourner nos deux tours gratuits avant de lancer notre première game. C'est parti, on est parti pour le premier tour porte-bonheur, ordinaire ou mieux. Et qu'est-ce qu'on va venir débloquer? On va débloquer 10 gemmes, il me semble. Oh non, ok, un skin rare que j'ai déjà et que je peux directement convertir. On va directement continuer. Qu'est-ce que je vais obtenir pour le deuxième tour porte-bonheur à ce qui paraît? Allez, qu'est-ce que je vais débloquer? 5 gemmes ou un skin ordinaire? 5 gemmes, ok. 5 gemmes les amis. Maintenant, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va lancer une game parce qu'en fait, quand on lance des games, eh bien, on peut débloquer plus de récompenses normalement. Mais ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais lancer une game dans le nouveau mode Panic Rabbids parce que mon objectif à moi, c'est de débloquer le plus de ventouses pour avoir les skins qui sont disponibles sur le petit magasin de Stumble Guys. Allez, les amis, on est directement parti. Moi, personnellement, j'ai vraiment hâte de débloquer les meilleurs skins de Stumble Guys. Allez, allez, allez. J'espère que j'aurai beaucoup de chance dans cette vidéo. Allez, regardez. Oh là là, on a beaucoup de ventouses à débloquer. J'espère que je vais être parmi les premiers. Parce que le but, c'est bien sûr de pas débloquer les ventouses et c'est tout. Le but, c'est bien sûr... Non, j'ai été poussé. Quelqu'un m'a poussé. Mais bon, c'est pas grave, les amis. Même si on prend un mauvais départ, on peut toujours s'améliorer. Voilà, on passe directement ici. Moi, désolé, mais je préfère passer par là. Oula, attendez, j'attends que ça monte. Voilà, et on passe par ici directement. Voilà, nickel. Là, on va venir passer comme ça. Oula, poula, j'ai fait n'importe quoi. Mais au moins j'ai débloqué des ventouses. Hop, comme ça. Comme ça. Non, oh, non. Pourquoi ça m'a poussé? Comme ça. Comme ça. Non, mais attendez, je suis vraiment désolé. Là, j'ai l'impression. Vous avez l'impression que je le fais exprès, mais c'est vraiment pas le cas. On va passer juste ici. Juste là. Hop. On va venir passer ici. On va monter. On va monter comme ça. On va monter. On va passer là. Là. Oula, hop, ici, on va passer ici. Je pense que je vais faire partie des 16 qualifiés, je suis pas sûr, mais je pense normalement, si tout se passe bien, je vais faire partie des 16 qualifiés. Hop, on va passer juste comme ça, ici. Ok, en vrai, je fais partie même des premiers en vrai. Hop, on va prendre cette ventouse là, hop. Ensuite, on va attendre, hop, comme ça. Et on est premier de la game, les amis. On va prendre quand même la ventouse, ok, ils l'ont prise. On va prendre la ventouse juste là, hop. Et on passe directement la ligne d'arrivée. Et là, on a débloqué en vrai pas mal de ventouses. J'ai pas voulu arriver premier parce que ça sert à rien. Donc j'ai préféré prendre la ventouse. Et je pense que vous aurez tous fait le même choix que moi. Bien sûr les gars, si vous voulez que je vous fasse une technique, si je vais essayer de trouver un glitch les amis pour avoir le plus de ventouses possible, le plus rapidement possible, et débloquer tous les skins de lapin de Stumble Guys, eh bien n'hésitez pas à me le dire et je vous trouverai directement un glitch pour avoir le plus de skins ventouses possible. Allez, on est directement parti. 16 sur 16, du coup le round est terminé et je suis directement qualifié avec les 16, ok, 16 restants, ok, je suis directement qualifié. En vrai, là, j'espère qu'on va tomber sur une map qui va porter à mon avantage, une petite map sympa où je suis fort, ok, oula, cette map c'est les pièces, ok, les pièces, en même temps on a les ventouses du coup. Ah ok, donc là en fait c'est celui qui récupère le plus de ventouses. Ok, bah vous savez quoi, moi je vais récupérer plein de ventouses, vous inquiétez pas pour moi. On va passer ici, hop, voilà. Oula, regardez comment j'enchaîne les ventouses. Regardez comment j'enchaîne les ventouses les amis. Faut juste éviter de se prendre ça, voilà. Tu vois, vous voyez, quand vous prenez ça en fait, ça vous annule tout votre combo. Ça vous annule tout. Voilà, par exemple là je me suis pris le truc. Mais bon c'est pas grave, hop, je viens juste là. Ensuite je viens là, hop. En vrai, je pense que je suis largement premier. Regardez combien j'ai pris de ventouses. Oh là là, les amis, regardez combien j'ai pris de ventouses. Je pense que j'ai eu le record. Oh là là, j'ai plein de chance. Comme il y a le marqué dans le titre, les amis, j'ai eu beaucoup de chance dans cette vidéo en réalité. Tac, 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 tac. Voilà, 33, 34. Oh là là, je m'en sors juste super bien. Je suis premier de toute la game. Hop, 36, 37. On va venir ici, on va récupérer les deux là. Hop, on va récupérer un ici. Hop, un ici. Un ici, on va récupérer celui qui est là. Oula, je me suis pris le truc. Faut vraiment que je reste premier. Hop, 43. Faut que j'arrive à en faire au moins. Oula, j'ai eu un petit freeze là. Faut que j'arrive à en faire au moins. Allez, 60 avant la fin. Oula, il s'est passé quoi là? Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu un bruit super bizarre. Hop. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? On va venir. Hop. On va continuer.
Ah, récupérer ceci. On va récupérer ça, on va récupérer ça, on va récupérer ça. On va récupérer celui-là, hop. On va récupérer celui-là, celui-là. Voilà, on est à 66. Et en vrai, c'est vraiment pas mal, hein. Là, ça me fait quasiment... combien par game? J'en ai récupéré vraiment pas mal. Hop, 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 voilà. Nickel, on va passer ici. On va passer là, 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 voilà. Oula, et là, il y avait un truc en or. Il y avait un truc en or ici, vous l'avez vu ou pas? Il est juste là, regardez, regardez. Regardez, je vais essayer de le récupérer. Il y avait un truc en or juste là, regardez. Oula, où est-ce qu'il est passé le truc en or? Où est-ce qu'il est passé le truc en or? Je sais pas où est-ce qu'il est passé, mais je pense que ça vaut pour beaucoup en vrai. Vu que c'est en or, bah, ça veut dire que ça vaut pour beaucoup. Et j'en ai réussi quand même à en avoir 85, 87. En vrai, c'est plutôt propre, hein, 87. J'ai été le premier. Et je m'en suis vraiment super bien sorti. Et là, on va directement passer à l'étape suivante, à la manche suivante. Et j'espère que je vais être fort dans cette manche parce que c'est quand même l'objectif, c'est de gagner et d'arriver premier pour avoir plus de chance dans nos packs. Allez, let's go. Oh, le laser. Oh, en fait, le laser avec les ventouses, ça va vraiment être désavantageux parce qu'en fait, ça donne envie d'aller vers les ventouses. Mais du coup, il faut aussi éviter les lasers, vous voyez. Là, il y a des ventouses qui vont pas, ça va donner envie d'aller vers les ventouses. Mais du coup, ça va vous faire prendre les lasers. Regardez, par exemple, lui, je vais essayer de taper quelqu'un. Lui, voilà, je le tape. J'espère... Oh non, il se prend pas le truc. Il se prend pas le truc. Hop. Voilà, ok, 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 ok. Hop. Ok, allez, dites-moi qui se prend. Dites-moi qui se prend le truc. Ok. Ok, là, je m'en sors vraiment super bien. Je m'en sors vraiment super bien. Ok, là on passe juste ici. Là on passe ici, là on passe là. Là on passe là. Ok. 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 Oula, attendez les gars, je vais essayer de le pousser sur le... Voilà, je l'ai poussé en vrai. Je pense que je l'ai poussé. Pourquoi il s'est pas pris le... Let's go! J'ai totalement gagné, let's go les amis! Et on a débloqué combien? On a gagné la partie, on a fait top 1 sur Stumble Guys, donc on a beaucoup plus de chances de débloquer les packs de Stumble Guys. Allez, let's go! J'espère qu'on va avoir une bonne récompense pour cette vidéo. On a combien? 200, on a 200 plus 190 bonus, ça nous fait 490 en une seule game. Et puis là, j'ai gagné 3000 XP, etc. Bref, c'est pas mal. Et là, si je vais dans les récompenses, on est déjà à 405 lapin, et je peux déjà débloquer les empreintes. Voilà, vraiment, je peux déjà débloquer les empreintes. Je peux débloquer les skins ici. Et le skin ici, là, je peux quasiment, là, vraiment, ça va pas être compliqué, hein. Celui-là, je peux facilement le charbonner et l'obtenir. Mais maintenant, avant de faire ça, on va s'ouvrir une roue ninja, les amis. On va s'ouvrir une roue ninja pour cette vidéo. Et qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir directement. Oh, oh, on va obtenir une légendaire, super. On a obtenu une légendaire, Pixel Blue Ninja. Elle est vraiment super cool. Et puis, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'ouvrir la roue de la chance, les amis. On va s'ouvrir la roue porte-bonheur, la roue de la chance, la roue de Stumble Guys, la roue où il y a le skin Bolt. Et je pense que je vais avoir beaucoup de chance. Oh, non. Non, 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 non. Oh, non. J'ai failli avoir le skin Bolt. J'ai failli avoir le skin Bolt. J'étais vraiment juste à côté. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va ouvrir une autre roue ninja. Let's go les amis, on ouvre une autre roue ninja. Et qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir directement un skin légendaire encore? Non, un skin, ok, un autre skin légendaire, mais je l'ai déjà. Doublon. Du coup, ça va me permettre d'ouvrir ce pack-là. Voilà, let's go les amis. On ouvre ce pack-là directement. Et qu'est-ce qu'on va obtenir pour ce pack-là? Allez, un petit skin spécial quand même. Un petit skin spécial quand même. Ah, légendaire au moins. Légendaire quand même. Oh non, j'ai eu un épique que j'ai déjà. Voilà, doublon. Hop. Du coup, on peut aussi. On peut toujours ouvrir ça. Allez, let's go. On y va, on y va, on y va, on y va. Et on va venir débloquer quoi? On va venir débloquer un skin légendaire. Ouais, un skin. Non, ok, un skin épique que j'ai. Que j'ai pas. Ok, mais il est super stylé. En tout cas, voilà. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Opoxo. Allez, à plus, les gars.